Bonjour. S'il vous plaît, monsieur, je cherche le bureau de poste. Oh, très simple, c'est à deux pas. Écoutez, vous prenez la rue ici à droite. Alors, pas la petite, la plus grande. Vous arriverez sur une place avec une église sur la gauche. Vous prenez à droite de l'église, et puis juste après un grand magasin, vous verrez de nouveau une place avec un coiffeur. Eh bien, c'est juste là, un peu derrière sur la gauche. Alors, quand je parle du coiffeur, c'est celui pour dames, parce qu'il y en a un mixte aussi dans le coin, mais le bureau de poste n'est pas derrière. Ok. Jolie explication, bel itinéraire, juste à deux pas m'avait-il dit. Bon, d'abord il faut s'en souvenir, et puis après il faut l'appliquer sur la réalité, et or la réalité, c'est le tourbillon des gens autour de vous, c'est qu'il faut traverser là-bas, c'est que maintenant, à droite, où est-ce à droite? Surtout quand on sait que pour beaucoup aujourd'hui encore, la gauche et la droite, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y a qu'une vraie manière d'aider celui qui ne connaît pas la ville, c'est de l'accompagner. Et si les mots sont proches l'un de l'autre, la vie, c'est encore bien plus compliqué que la ville. Et c'est pourquoi Dieu est descendu dans nos rues. Pas pour expliquer sous forme d'un itinéraire compliqué, mais pour venir nous rejoindre et marcher avec nous, main dans la main carrément. C'est pas mieux comme ça? Bon, alors, que celui qui a des oreilles, hein. Et bonne journée.